Pendant ce mois de confinement, j'ai de quoi m'occuper avec la lecture de l'Indépendant du jeudi 24 juillet 1930, 16 février 34, 19 février 34, 1er mars 34, 2 mars 34, 7 mars 34. 10 mars 34, 11 mars 34, 14 mars 34, 16 mars 34, 17 mars 34, 24 mars 34, 28 mars 34, 29 mars 34, 30 mars 34, 3 avril 34, 21 avril 34, 20 avril 34 et 30 avril 34. Mais j'ai aussi trois numéros de l'Action française du mardi 22 juillet 1930, le Roussillon du mardi 23 octobre 1888 et la CGV, organe officiel et bimensuel de la Confédération générale des vignerons, 17e année, du 12 novembre 1924. Voilà, j'ai de quoi m'occuper pendant un mois avec ces lectures, d'autant plus qu'il y a en dernière page de l'Indépendant des publicités extraordinaires d'époque que je vais vous en faire voir une. Et on a aussi le scandale Stavisky, l'affaire Prince.